À tous, Yaolana, je suis Marc Fabresse, le responsable technique de la Chambre d'agriculture de Polynésie française. Je suis actuellement basé à Papeete et en direct du Salon de l'agriculture à Paris. En tant que responsable de la Chambre d'agriculture, je m'occupe d'une équipe de 15 agents qui sont répartis dans tous les archipels. Et donc nous accompagnons les agriculteurs dans leur vie, dans leur activité professionnelle, sur les aspects administratifs, techniques, juridiques et aussi économiques par rapport aux aspects commerciaux, puisqu'on accompagne les agriculteurs à vendre leurs produits et surtout à défendre leurs produits face aux produits importés, puisqu'on promouvoit le manger local sur notre territoire. Donc dans mes activités de tous les jours, on nécessite une réelle polyvalence. Ce qui est très important, c'est d'être communicant, d'exprimer ce qu'on dit, de vulgariser auprès des gens pour que tout le monde nous comprenne. Il faut aussi avoir des compétences juridiques qui sont nécessaires pour comprendre les textes réglementaires, des compétences techniques aussi pour arriver à expliquer aux agriculteurs de manière simple leur aventure professionnelle. Donc en fait, le plus important, c'est vraiment d'être curieux et de s'intéresser à ce qui se passe, de lire beaucoup et d'essayer de communiquer au mieux pour que les gens voilà, puissent apprécier l'agriculture et puissent apprécier leur métier. Travailler au sein d'une chambre agricole, c'est d'être au cœur des problèmes des professionnels. C'est de porter les professionnels vers leur développement et vers leur avenir. C'est les plus grands enjeux et c'est là où il faut être. Je pense qu'aujourd'hui, d'être un agent d'une chambre agricole, c'est aussi d'être le socle des professionnels et de les amener à s'élever. Donc rejoignez-nous.